Bienvenue sur Ibra Plus. Donc j'ai plaisir aujourd'hui de vous présenter la nouvelle Aventador S de 2018. Elle a subi un peu le facelift, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une nouvelle, c'est pas une nouvelle voiture, c'est une modèle comme la précédente, sauf que il y a eu quelques changements, je vais vous en parler un peu plus. Mais là tout de suite, laissez-moi vous donner quelques chiffres. Je sais même pas par quoi commencer parce que les chiffres, quels que soient les chiffres, sont vraiment monstrueux, j'ai envie de le dire. On va commencer déjà par dire que cette voiture, elle a un V12. Et oui, les amis, vous avez bien entendu, il y a un V12. Et ce V12 développe jusqu'à 740 chevaux. Vous imaginez un petit peu? Donc voilà, 740 chevaux. Je peux vous dire qu'avec ça, vous mettez quelques ailerons à gauche, à droite et vous pouvez vous envoler carrément. Parce que moi, personnellement, j'ai peur d'accélérer jusqu'à bout avec cette voiture parce que et commence à s'envoler. Donc en plus de ça, elle est en rodage, donc on peut pas dépasser les 5000 rodage. Ça se dit rodage? Elle est en rodage, on peut pas dépasser les 5000 tours par minute. Mais je peux vous dire que même ça, c'est suffisant pour ressentir un peu le V12 et les 740 chevaux qu'il y a sous le capot. Un autre chiffre, cette voiture de 0 à 100, elle fait en 2 secondes 9. Je sais pas si vous arrivez à imaginer un petit peu. 2 secondes 9. En 100, c'est une des voitures les plus rapides au monde. Bien sûr, il y a énormément de choses à dire sur cette voiture là, mais à l'attendant, je vais allumer le moteur et je vous laisserai écouter ces beaux bruits de V12. Franchement, c'est impressionnant. Donc, venez mettre-vous derrière et je mets le moteur en marche. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Non, vous n'êtes pas prêts, mais il faudrait être prêt. J'appuie sur le start et on démarre la fusée. Là, franchement. Oh. Amis, on se retrouve à l'intérieur de cockpit, j'ai envie de dire. Je présente Hervé. Donc Hervé, c'est le PDG de la société. Je te laisse présenter Hervé, ouais. Hervé si tu veux. PDG de la société Autoritz, Prestige & Luxury et Elat. Donc ben voilà, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Ibra. Donc, moi aussi, c'est un plaisir. Donc, je vous explique un peu. Prestige & Luxury, c'était une des premières sociétés de location voiture qui a fait confiance à moi et Jam. Et du coup, ils nous ont prêté les voitures. C'est avec leur voiture que j'avais fait le fameux Mustang et tout ça, que vous kiffez autant. Et entre temps, la direction a changé. Avant, c'était Grégory. D'ailleurs, salut Grégory. Et voilà, encore une fois, merci à toi.
Et maintenant, c'est Hervé qui a repris un peu l'entreprise. Et du coup, on va dire qu'on fait un peu de connaissance. Mais en connaissant un petit peu mon travail, en connaissant Grégory, on continue toujours de travailler ensemble, en gros. Quand j'ai travaillé, moi j'ai mes voitures pour faire des belles vidéos, on échange, ils ont la visibilité. Et je trouve que c'est un peu normal parce que moi j'aime vraiment beaucoup Prestige & Luxury parce que si vous remplissez tous les critères, vous pouvez avoir les meilleures des voitures. Là on fait un peu attention parce qu'il y a un grand trou sur la route et Lamborghini n'aime pas trop des trous comme ça, j'ai envie de dire. Lui non plus d'ailleurs. Et voilà. Donc oui, je crois que c'est avec ça qu'il est crevé le pneu, je pense. Oui. Donc on continue. Donc ce que je voulais dire, bah là, Prestige & Luxury. Merci Hervé. Copilote. J'ai du mal à m'habituer à une telle puissance, à une telle voiture, j'ai pas l'habitude de conduire. Donc je vous disais, ils ont des dernières voitures. Là, cette voiture-là, c'est une dernière Aventador S de 2018. Donc ils ont d'autres voitures comme Ferrari 812, qui est V12 aussi d'ailleurs. Donc voilà, ce genre de voiture vous pouvez louer chez Prestige & Luxury. De toute façon, vous avez tous les infos dans la description. Il suffit de remplir les critères et puis vous pouvez avoir des voitures, belles voitures comme ça, vous pouvez en profiter. Parce que bien sûr, ce genre de voiture ils coûtent hyper cher, j'ai envie de dire 370 000 euros celle-ci. Ferrari, ça doit être à peu près la même chose. Oui. Mais pour des gens qui n'ont pas forcément accès à ce genre de voiture, on va dire un peu des gens comme moi, qui ne peuvent pas se permettre. De temps en temps, vous pouvez louer, vous amuser pour le mariage, pour shooting, pour clip, donc pour tout ça. 76 avenue des Ternes. D'accord, donc voilà. Voilà. Est-ce que tu connais un petit peu la voiture, Hervé? Celle-là, celle dans laquelle nous sommes, bien sûr. Voilà. L'Aventador S, c'est le fleuron de la gamme Lamborghini. Ils ont aussi sorti maintenant un SUV du russe. Mais en tout cas, pour ce qui est de celle-ci, alors là, ce qu'Hervé va vous raconter, il va vous raconter un peu les améliorations qu'a subi cette voiture, celle de la nouvelle en fait. Donc Hervé, je suis désolé de t'avoir interrompu. Non, donc, mais tu as comme raison. Ça, comme ça, ils sont un peu dans le contexte. C'est la nouvelle, il y a des petites améliorations, donc Hervé va vous raconter. Voilà, un peu. Donc il y a eu un relifting des parties avant et arrière, des ouïes d'aération plus grosses, une boîte automatique plus moderne, même si elle reste avec un simple embrayage, et puis surtout un moteur avec 40 chevaux de plus. Bien qu'elle en avait déjà pas mal, là on monte à 780, donc c'est 740, je pense. 740, oui. Donc je dois dire un seul truc. Le seul truc, c'est pas que j'aime pas, mais je suis étonné que sur cette voiture, sur cette boîte, il n'y a pas de double embrayage. Donc en chaque changement de rapport, on ressent un petit vide. Il y a un petit vide. Bien qu'elle soit quand même rapide, très rapide comme boîte, elle est à 5 embrayages. Oui, sur ça, je suis tout à fait d'accord. Et puis, ça renforce le côté sportif de l'automobile. Avec des accoups derrière, ouais, je comprends. Donc voilà, et je pense que le cockpit, c'est une pièce entière faite de carbone. Oui, d'après, il y a des parties carbone qui sont en option. Il y a aussi l'écran central avec tous les compteurs, qui est un écran LCD large. Alors, qui est aussi une nouveauté de 2018. Et bien sûr, les écrans, tableau de bord, c'est un petit peu amélioré aussi. Oui, tout à fait. Par rapport la partie à la écran modèle. Et la partie présentation des compteurs. Par rapport à la modèle qui était juste avant. Oui. Donc voilà, à part ça, c'est une voiture sportive, donc ne vous attendez pas forcément à avoir le confort comme sur d'autres voitures comme Porsche, on va dire. Le Porsche, on a un peu plus le confort que sur ce genre de voiture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve très faible de kilométrage sur ce genre de voiture, parce que on n'a pas envie de rouler tous les jours, j'ai envie de dire, dans ce genre de voiture. Donc comme toi, ta voiture personnelle, c'est Smart, mais Brabus. Oui. Donc tu préfères rouler en Smart qu'avec ça. Ça, ah, c'est bien pour sortir. Pour me garer dans Paris, je préfère nettement ma Smart. Effectivement, pour faire un peu de route ou des loisirs, des week-ends, c'est sympa l'Aventador. On a une gamme assez large qui nous permet, en ce qui me concerne, de changer assez facilement, de varier les plaisirs. On a aussi des Porsche, des Maserati, Ferrari, donc cabriolet ou pas. Donc, En même temps, si on a une voiture comme ça, on ne peut pas la laisser n'importe où comme tu aurais pu permettre de laisser ta Smart.
Parce qu'il suffit un petit rayon, ça te coûte 2-3 000 euros direct. Ah, tout à fait. On peut très bien abîmer facilement des jambes parce que la voiture est large et ça peut coûter assez cher. Il faut être très vigilant. Il faut que les conducteurs soient des conducteurs soigneux pour éviter les déconvenus. Bien sûr. Moi, personnellement, si j'ai une voiture comme ça, moi j'ai toujours deux gardes avec moi dans une voiture derrière. Donc je laisse quelque part, je laisse deux gardes à côté. Et voilà. Donc sinon, j'aurais vraiment peur de laisser quelque part la voiture stationnée. À part, je peux limite donner à un voiturier. Mais sinon, laisser garer comme ça dans la rue, c'est impossible, je pense. C'est impossible. Oui. Il y a toujours des volontaires pour ce genre d'opération. Après, il faut qu'ils tiennent la route assez longtemps, c'est sûr le problème. Exactement. En tout cas, nous, on s'est lancé dans l'aventure avec Prestige et Nuxury, que Kibra connaissait déjà depuis quelques mois. On était loueurs de tout type de voitures en longue durée. Et ma foi, ça me fait très plaisir de permettre à des gens de pouvoir accéder à ce type de voiture. Mais je suis vraiment content de pouvoir conduire ce genre de voiture, de tester, parce qu'habituellement on voit que sur internet, on ressent pas vraiment soi-même la voiture. On peut ressentir un peu en travers des gens comme nous qui font de ce genre de tests, comme GMK qui fait beaucoup de test drive d'ailleurs. Salut à toi, poto. Ouais. Maintenant. Avec un peu de moyens, vous pouvez vous permettre de louer une voiture sportive comme ça vous ressentir vous-même en vrai les sensations d'une vraie voiture qui a plus de 740 chevaux. Franchement, c'est énorme. Vous ne pouvez pas vous imaginer tant que vous n'êtes pas au volant. Pour vous dire que la voiture elle est tellement puissante que moi personnellement, j'ai jamais réussi à appuyer sur le pédale jusqu'à bout en fait. Oui, non, c'est vrai. J'ai jamais réussi. Il faut vraiment des conditions optimum, de la place. Pas évident. Donc, franchement, il faut essayer au moins une fois. Au moins, vous arrangez avec quelques potes. Franchement, il faut essayer au moins une fois. Franchement, c'est des émotions en plus qu'il ne peut pas retrouver sur d'autres voitures que de tous les jours. Donc, on peut essayer une fois et ça fait assez plaisir, j'ai envie de dire. Donc, sur ça, notre test drive, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce que, bien sûr, il vous manque beaucoup d'informations. Mais nous, on vous a montré la dernière Aventador S avec les dernières retouches. On vous a montré ça. Après, bien sûr, il y a plein de trucs à dire autour de cette voiture. Mais on va en arrêter là pour que la vidéo soit pas très longue. Donc merci beaucoup à toi, Yared, d'avoir... Merci, Brad, de nous avoir offert ta vitrine. Tu es toujours bienvenue devant la nôtre, en 76 Avenue des Ternes. Et j'espère que vous aurez pris plaisir avec cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et je laisserai toutes les infos dans la description aussi. Et laissez un pouce bleu, c'est très important. Ciao. Au revoir.